moi, mais il y a des Français qui vont à la piscine actuellement, il y a des Françaises qui vont à la piscine, il y a des Françaises de toutes formes, avec tous les corps, toutes les tenues qui vont à la piscine. Or, dimanche dernier, une piscine du 11e arrondissement a fermé ses portes parce que parmi les baigneuses, certaines portaient un burkini. Alors on va passer sur la question de l'hygiène, hein. Ça a été prouvé plusieurs fois que le burkini, s'il est des défenses immunitaires de dingue, mais moi franchement je préfère mourir d'un refroidissement, ça me dégoûte la piscine. Mais donc voilà, c'est pas moi, mais il y a des Français qui vont à la piscine actuellement, il y a des Françaises qui vont à la piscine, il y a des Françaises de toutes formes, avec tous les corps, toutes les tenues qui vont à la piscine. Or dimanche dernier, une piscine du 11e arrondissement a fermé ses portes parce que parmi les baigneuses, certaines portaient un burkini. Alors on va passer sur la question de l'hygiène, hein. Ça a été prouvé plusieurs fois que le burkini, s'il n'est pas porté comme un vêtement en dehors de la piscine, mais que comme un maillot de bain, il pose absolument aucune autre menace sanitaire qu'un maillot de bain plus petit. Et pour avoir personnellement laissé le maillot de bain que je mettais à la piscine en CM2 en boule dans un casier pendant toute l'année scolaire, enfilant inlassablement chaque semaine, ce qui à la fin s'apparentait plus à du Beaufort qu'à de l'Elastane, je vous jure que c'est pas 4 burkinis qui vont changer la donne. Alors on le sait que le bruit autour des questions qui touchent le corps des femmes musulmanes en France, ça a rarement trait à la libération des femmes et plus souvent à une tentative de limitation de la liberté des musulmans. Et à la limite, si ça vient de gens ouvertement islamophobes, franchement, c'est de bonne guerre. Moi, ça ne me dérange pas, quoi. On ne va pas être d'accord, mais il n'y a pas de non-sens, quoi. Mais j'ai vu des réactions à l'action dans la piscine de dimanche qui venaient des nanas qui se disent féministes. C'est chaud quand même. Dire je suis féministe et empêcher les femmes de faire ce qu'elles veulent, c'est un peu toujours ces féministes-là d'ailleurs auxquelles on donne la parole. Alors, c'est des blanches, hétéros, cis, minces qui sont là, ouais, le féminisme. Et les mecs sont là, mais attention, hein, nous on va pas se faire emmerder. Vous voulez faire quoi là, avec votre féministe? Et les filles sont là, ouais, le féminisme. Et les types sont là, ouais, donc ça change rien en fait. Ouais, le féminisme. Elles font des t-shirts, elles sont contentes, tu vois, ça dérange personne. Et c'est pratique l'activiste comme ça à part ça. Du coup, moi je suis végétarienne, ça fait 6 ans, je mange plus de viande que 4 fois par semaine, grand max. Donc je suis quasiment végane, quoi. Non, mais moi, ça me paraît intenable de dire que t'es pour la liberté des femmes et d'en exclure les musulmanes. Tu vois, c'est toujours la même chose après avec les gens que l'existence des musulmans froisse. Quand tu rentres dans les détails, c'est toujours un peu vaseux idéologiquement. C'est toujours une espèce de camouloque. Ah non, mais parce que le burkini, la République, parce que le chômage, la taxe carbone. Alors bon, hein, alors. Mais les gars, arrêtez de vous faire peur avec des trucs qui n'existent pas. On est sur Terre 5 minutes, on va pas les occuper à flipper parce qu'il y a des gens qui couvrent des trucs, d'autres qui couvrent pas. On s'en fout en vrai. Laissons les gens traiter leur que c'est faire. Les gens à la piscine, c'est pareil. Au lieu de vous agiter, la République, la laïcité, on a pris la Bastille pour que j'ai le droit de voir vos cuisses. Concentrez-vous sur ce qui vous rassemble, sur cette belle communauté de tordus que vous formez. Ok, très bien, tu vois. Des gens qui sont d'accord sur leur temps libre de mettre la tête sous l'eau et de tomber sur un sparadrap qui ne leur appartient pas. Bref, laissons ces gens bizarres vivre, peu importe ce qu'ils portent. Bravo, Marina. La bande originale. Parce que là on s'est baigné et les autres personnes n'ont pas fait attention à nous. On a pu prendre plaisir, c'est quelque chose de simple, mais pour nous c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit, on n'a jamais eu le droit d'aller à la piscine municipale.